Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 8h de Maurice Info. Nous sommes le 22 mai 2018, 142e jour de l'année. Nous fêtons les Émile, Emilio, Julien, Milut, Kiteri et les Rita. Exposition ce matin pour lui dans le cadre de la Journée internationale de la biodiversité au rez-de-chaussée du bâtiment Cinévasen. Cérémonie de remise du certificat au Regional Leadership Center de la Marcos pour les membres des ONG qui ont suivi des cours qui avaient pour thème Disability and Rehabilitation. Le ministre de la Justice et Attorney General Manish Gobind sera à la Pravasigat ce matin pour accueillir Lord Meghnad Desai et le professeur Rick McDonald qui vont tous deux visiter l'exposition sur la Constitution de Maurice. Drame à Nouvelle-France, une femme de 65 ans a été découverte égorgée, son époux pendu, par leur fils vers 15h le 21 mai 2018. Le 210e gagnant du loto a récupéré son chèque à ébène. Il dit vouloir s'occuper de l'éducation de ses enfants, d'avoir une maison au bord de la mer et de faire un grand voyage. Deux Mauriciens ont représenté récemment Vivo Energy Mauritius à Dubaï pour la cérémonie des Shell Smiling Stars. Il s'agit de Rana Massoud et de Radha Bhuvanesh. La Private Notice Question de Xavier Luc Duval sera consacrée aux revenus sur la vente des produits pétroliers. La réponse de Pravin Jagnat sera entendue au Parlement par la population. L'effet de signalisation régule la circulation avant des mèches arrosées près de la CUB. La route pourrait être glissante dans les hauteurs. Les motocyclistes doivent faire attention au vent du travail qui pourrait atteindre 65 km. Respectez le code de la route, roulez prudemment. L'assez fort anticyclone au sud des Mascarens maintient un temps venteux sur la région, période nuageuse le matin et dans l'après-midi à l'est, au sud et sur le plateau central avec des averses par moments, beau temps ailleurs. Le temps est de l'est-sud-est de 20 à 30 km avec des pointes de 65 km. Les sorties en outre-mer sont déconseillées. Avant de nous quitter, un joyeux anniversaire au lecteur de Maurice Info. Fin de cette nouvelle édition, passez une belle journée de mardi, à demain pour le 8h sur Maurice Info.